Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma petite cabane. Ce qu'il en reste, on a démonté deux murs. Alors, déjà dedans, on a un problème de taille. Je vais filmer, c'est prêt. On a un gros essaim d'abeilles. La porte a été démontée, la cabane est un petit peu bancale encore, mais ça c'est pas très très grave. Donc, le projet. C'est de la remonter, bien sûr. Et sûrement, elle va sûrement être agrandie un petit peu. Là, elle fait 1m60 par 80, je crois. Non, par 120. Oui, par 1m20, un truc comme ça. Là, c'est tout le bois des deux côtés. Et puis de par terre, d'ailleurs. Et on va faire du 2m40 par 1m60. Je crois. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais ça, ça reconfirme. Il va falloir que j'égalise le sol. Là, on voit que le... ici c'est égalisé. Mais sur le côté, c'est pas ça. Alors, je passe un petit coup de râteau au minimum. Puis de tasser tranquillement. Bon, elle penche. Hein. Là, c'est... je sais pas si ça se voit à la vidéo. Mais ma main, je la mets droite. Mais. On l'a démonté hier et on ne l'a pas recommencé pour une raison très simple. C'est que pour les faire, il nous faut 8 assauts de 1m46, si je ne raconte pas de bêtises. Et on n'en a que 4. Donc c'est un peu chiant là pour le coup. Mais bon, une fois que les tasseaux on les aura, bah, la cabane, pouf, elle va revenir, elle va reprendre une seconde jeunesse. Puis j'en serai très content. La cabane, pour tout vous dire, c'est une cabane qui servira à abriter tout ce qui est peau et tout ça. J'ai, hop, on m'a donné des caisses en polystyrène. Que j'ai rangé tous mes pots dedans. Enfin, toute la partie qui avait dans la cabane, en tout cas. Là, puis il y a la même chose en dessous, mais j'ai pas prendre le risque d'ouvrir la pochette d'en dessous. Voilà, donc c'était pour vous donner une petite nouvelle de la cabane. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui mettront des pouces bleus, des commentaires et tout sera là. Et moi je finis cette vidéo là-dessus, sur tous les bugs qui sont déjà tombés alors qu'on est que le 3 septembre. Et hop, on va la finir encore plus, regardez bien. Voilà, il y a un autre gros nid là. Il est beau celui-là aussi. Voilà, allez, moi je m'arrête là. Au revoir les amis, à bientôt. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, des commentaires et tout le tralala. Bye bye.